C'est parti, Summit Point, 45 voitures, 45 minutes. Et voilà, on roule pour le 6 heures de Daytona. Alors oui, c'est vrai, c'est maintenant l'heure. Bonsoir tout le monde et bienvenue au Slice Sim Racing. On est présent ce soir pour vous présenter une course, une deuxième course en fait. Et c'est celle de Summit Point avec les voitures Audi RS3. Avant d'aller plus loin, je vais tout de suite vous souhaiter le bonsoir, bien sûr, et merci d'être là. Et on dit un gros merci à nos partenaires affichés à l'écran, soit SlySim Racing et SlySim.ca et JulieJoueur.ca, bien sûr, les fondateurs de la Ligue. On a tous nos commanditaires et partenaires, Karting Orford, Clôture Raymond, Ford Drummondville, Mercedes-Benz Saint-Nicolas, Spenard Simulation, Goul VR, Accended.com et bien sûr de Montfort Maçonnerie. Alors merci à tous nos commanditaires et partenaires pour cette belle année. Et dernière saison avec vous, on est très content que vous soyez là. On espère que vous serez là à la prochaine saison, à la prochaine année. Alors je vous souhaite la bienvenue et bonsoir à mon co-animateur, bien sûr, James, qui est là avec nous ce soir. Ça va bien, James? Oh yeah, ça va bien toi? Ouais, number one, je pense qu'on va avoir tout un show à soir et un show très intéressant en fait. Je pense bien que oui, moi aussi, puis j'en profite pour saluer à mon tour tous les gens qui sont là avec nous. Et on est seulement 7, là. N'hésitez pas à inviter vos grands-parents et toute la famille. Oui. On va avoir du fun, non, pour vrai, la course de Summit Point en RS3 avec un field assez, assez nombreux. Oh, on a une belle image justement de Summit Point, une très belle image que tu as mis là pour qu'on voit la piste. Ça nous donne vraiment un bon aperçu de la piste. Longue ligne droite, suivie d'un T1 très serré, très bosseux. Ensuite, on a une série de courbes très, très rapides pour arriver dans la section très sinueuse au 5. Ça, cette section-là, c'est là qu'on voit vraiment là, les voitures après 20-30 minutes. Là. Ceux qui roulent beaucoup de camber, on va voir qu'ils vont avoir des difficultés.
Et par la suite, on a un enchaînement très rapide vers le 10 et le fil d'arrivée. Donc, 10 courbes, 3,2 km et 27 degrés actuellement. Donc, j'ai hâte de voir ça. Je te laisse enchaîner avec les. Je pense pas que tu répètes les réglementations, Non, mais on les plutôt répète. les le field, Ouais, la ouais. qualification. Ouais, et ben ouais, on les répète pas, mais on va quand même parler le temps qu'ils sont là pour que le monde puisse les voir, ceux qui sont nouveaux et qui se joignent à nous. J'ai invité mon grand-père pour Summit Point. Il n'a pas perdu son dernier pendant la Il a course. perdu son En dentier. dentier pendant la course. His dentaire. Ça va bien, ça va bien. Yeah. Ouais, ce que j'allais dire, c'est. Ouais, ben on les laisse là, mais je voulais dire un gros merci à tous ceux qui participent aux séries. Audi qui a eu droit à des serveurs doubles pour cette course, justement, de Summit Point. Alors, on a un field un peu plus petit cette semaine. Épuré. Ouais, épuré en fait. Oui, mais c'est vrai, hein, en quelque sorte, des Ouais, pilotes un petit surtout peu. pour une piste Ouais, comme ça, c'est ouais. pas une mauvaise chose. Plus d'expérience sur la piste, probablement moins d'incidents, probablement moins de Ouais. d'accidents. En fait, là, ça Moins de devrait être mieux. différence entre Oui, le devant et le derrière oui. aussi, là. Exact. Alors, ben voilà, alors c'est ça. Puis, ben, on veut juste rappeler que les vendredis, on est live pour Laval. Les dimanches, on est live pour le V8. Et le lundi soir, comme ce soir, on est live pour le Audi. Puis, ceux qui veulent me voir dans ma voiture, ben, je suis live mardi et jeudi pendant que je conduis mes deux séries de routiers. Alors, ceci étant dit, on va tout de suite passer au grid. Les voitures vont devoir faire un tour de formation avant, anyway. Mais. On va quand même vous le présenter tout de suite. On va commencer du moins. Alors, c'est Guillaume Lévesque qui fait la pole aux côtés d'Alexis Demers. Ensuite, on a Pichette et Simon Thériault. Philippe Bouchard et Maxime Paquet. Martin Léger, Donald Thériault. Jean-Raphaël Morin et Jules Couturier. Patrick Charrette et Jonathan Manceau. Jean-Claude Langlois et Sly Bernier. Bachelard et Jean-François Hévé. Oh! Attends une seconde, là. Rien que te dire là, que du 1er au 16e, il y a juste 601 millième. Hey, Hein, j'avais les même pas résultats, remarqué ça. c'est incroyable. Je regardais ça, là, puis j'ai hâte de voir dans la première seconde, il y a combien de pilotes. Je te laisse continuer, mais c'est incroyable. C'est vraiment fou, hein? J'avais même pas remarqué. Très Tu viens de me le serré. faire remarquer, là. Puis c'est Ouais. Jean-François Hévé qui ferme la 8e ligne en 16e place derrière Bernier et Charrette. Comme ça, là. Je dis ça de même. Demain. De même. Charbonneau et Lalancette 17-18. Magnan et Howard qui sont 19 et 20. Laverdière, Guillon, Plourde et Deltel, Lacroix et Proulx. François Demers et Jonathan Huard. Et voilà la seconde. Jonathan Huard, 28e. 28 voitures dans la seconde. C'est malade, hein? C'est assez malade, effectivement. Sly, es-tu devant JFEV en passant? Je fais juste. Je vais juste leur montrer, je pense, avant que ta course commence. Mais je pense que oui, je pense que j'étais devant. On va recommencer. Sly est 14e, JFEV 16e. Ouais, c'est On ça. le voit là. Je sais pas si tu Oh, peux. on a un follow! Merci Bob pour le follow. Merci beaucoup. Merci d'être là, man. Merci d'être avec nous. Merci pour le follow. Très apprécié. Alors, ensuite, on était rendu où? Laverdière, Guillon, Plourde et Deltel. Deux coéquipiers, un côté de l'autre. Lacroix et Proulx. Demers et Huard, Godet et. Oh, on a un petit peu, on a la course qui va commencer. Mais il y a un tour de formation de toute façon, Ouais, on va comme juste tu l'as si bien dit. quand même aller les rejoindre. On va juste aller joindre notre field pour ne pas rien manquer de nos boys. Je sais même pas s'il est décollé, parce que je pense que. Oh, on a un autre follow! Et ça part fort On à a un autre soir. follow, c'est JFEV! Ah, il nous follow! Colin! Hey, on est Sly, chanceux. Colin! Qu'est-ce qu'il y a, JF? Qu'est-ce qu'il y a, mon beau JF? Là, t'as pas fini de présenter le field Non, encore. c'est ça. Ben, on va recommencer. JF, il est là. Ah oui, on va y montrer On parce va aller qu'il montrer où ce qu'il est dans le ouais. field. James David, 33e. Jonathan Boivin, 34. Arnaud Genet, 35. Et Danick Vandel, 37. Je te vois venir, toi et James. Jean-Louis Deschênes et François Laferrière, Sébastien Roy et Simon Bilodeau. Simon Bilodeau, pardon. Nicolas Cormier, 41e, et c'est le dernier temps. Les deux autres temps, il n'y a pas de temps établi, c'est Maxime Forêt et Philippe Normandin. Alors,
Je trouve que tu as insisté pas mal sur James en 33e. Là, c'est pas gentil. Là. Non, mais c'est de faire remarquer. Tout droit la prochaine fois. C'est de faire remarquer où il commence, mais où il finit, c'est bien plus important. Tu sais, on s'entend. C'est ça l'important. Bon, alors on est avec. On est avec nos pilotes qui, on peut voir... Oh mon Dieu, contact! Qu'est-ce qui s'est passé? On a touché au gazon! C'est Bruno-Pierre Pinchot qui se retrouve de côté, je crois. Ben oui! Oh, Jean-François Hévé qu'on voit à l'écran, justement. Oh, derrière Sly! En fait, entre les deux voitures Sly Sim. Ouais. Hévé qui semble vraiment avoir de la difficulté à le passer. C'est... Il pousse très très fort, mais... Ouais, c'est ça! Aïe, aïe, aïe! Alors, on voilà. A du fun. C'était ça. Mais c'est pas juste parler. Parce que JF peut pas se défendre, il peut pas parler. Ben, il peut chatter. Ah oh, oui. Mais on parle plus vite qu'il chatte. Ouais, c'est ça. Mais bon, écoute. Ouais. Que Bruno Pierre, on va voir. Il va sûrement essayer de revenir. Je regarde en arrière. Je crois qu'il va essayer de reprendre sa place parce que tant que le verre est pas donné, iRacing va lui donner la possibilité de revenir dans sa position. Là, il était dans le gazon, il passait à côté des gars. Fait qu'on va oublier la course sans X pour lui. On va se mettre sur l'évêque pour le début de la course, au moins. Puis ça va être du sport. On a quand même On arrive 42 dans pilotes. On arrive dans la dernière ligne droite, justement. Bon. On je commandite si vous parlez pas de ma course. OK. Je commandite si vous parlez pas de ma course. Donc, le pace car est dans la ligne des puits. Tu as eu une excellente course, JF, à date, là, quand même. Tu pars 16e, c'est excellent. C'est 8 premières lignes. Là. Bon, alors voilà, l'évêque, le départ va se donner dans quelques secondes. Très gros field, oui, en effet. Et voilà, c'est parti. 37 tours à faire, si je ne me trompe pas. Cette épreuve de Summit Point en RS3. Et on arrive 36 tours à compléter. On arrive au T1. Et c'est l'évêque. On va reculer dans le field. Ça va bien jusqu'à présent. Une voiture qui est venue large un petit peu, mais tout est correct pour le moment. Oui, ça passe pour tout le monde. On s'en va ensuite dans le deuxième secteur. On va aller au S. Je crois qu'au S, ça pourrait risquer d'être un petit peu plus rock'n'roll. Malade de voir le pace qui s'installe rapidement. Il y a beaucoup, beaucoup de monde. Oui. La plupart des voitures sont déjà rendues à la queue-leu-leu, mais il y a quelques side-by-side quand même. Ouais, on arrive au west justement, où ça pourrait être un petit peu plus dangereux. Mais non, oh mon Dieu, Proulx qui a pris une petite chance ici, ça a bien... Oh, on a un... Et oh mon Dieu, James qui vient d'éviter tout un accident. Godet qui s'est fait emporter là-dedans par contre, on a vu Godet se retrouver dans le champ. Alors une voiture qui est revirée de travers, en plein milieu. Ça n'a pas été évident, mais James a réussi à l'éviter. Oui, c'est quelques positions gratuites pour lui. Il y en a plusieurs qui ont fait des gestes assez rapides pour éviter ça. C'était pas évident. Les deux voitures de team, voyons. C'est quoi déjà leur équipe? NTR, c'est bien ça? Il y a eu deux voitures impliquées malheureusement pour eux. Là. Deux voitures qui vont repartir de loin. Je crois que c'est Delta et Plourde. Ils sont actuellement dernier, avant-dernier, 41e et 42e. Oh. Donc ça va être une course... Hévé toujours derrière la voiture de Bernier et devant celle de... Entre les deux pilotes, en fait, du Team Slicing. Et oh, on a Demers qui est pris à contresens au T1. Va rentrer dans le champ pour ne pas déranger personne. Je pense que c'était une bonne décision de la part de Demers. Bon, alors, on va suivre nos batailles un petit peu. Et tout de suite, on a... Martin Léger, oh, là, ça bouge vite, je suis désolé. On va essayer d'aller le voir. C'est assez dur, hein? Il y a énormément de voitures qui sont seulement à 3-4 dixièmes en ce moment. On va laisser les choses se calmer un petit peu, peut-être. Mais Proulx en belle bataille également en 24e contre Gabriel Laverdière qui descend. Je crois qu'il y a eu une sortie de piste ou quelque chose. Ouais, il est dans le gazon, il revient tranquillement. Ouais. Alors... Donc lui qui se retrouve 40e en ce moment. Merci de l'info. On a Léger ici en bataille avec, on peut voir, Paquette juste derrière lui. Non, juste devant... attends un petit peu. Non, Paquette est derrière lui, pardon. Et devant Léger, c'est Philippe Bouchard. Philippe Bouchard est nouveau parmi nous et un autre pilote qui performe très, très bien.
Alors, ça va être intéressant de voir où ce qui va se terminer aujourd'hui, mais il est excellent et présentement. Dans la voiture Shell, blanche et rouge. Oui. Jean-Claude Langlois également en bataille avec. C'est qui? C'est Bachelard devant lui. Mm-hmm. Et Bernier qui le suit de très près. Évé est pas loin non plus. Évé qui met beaucoup de pression derrière. On sent que Jean-François Évé a des comptes à rendre avec Bernier. Oui. Et le pace est bien installé déjà. Alors, ça n'a pas pris de temps que ça s'est installé. Ça met de pointe qui est quand même pas toujours évident en départ de course avec beaucoup de personnes. Mais ça va bien. Donald Theriault. Donald Theriault à la 9e, lui, se bat contre Morin et a Charrette à ses trousses avec la voiture Red Bull et Manso un petit peu plus loin. Alors, une petite bataille à 4 pilotes ici. C'est assez incroyable, toutes les batailles qu'il y a tout le long du field. Ouais. Oh, Charbonneau. Oh, t'as-tu resté sur les légers? Maxime Paquette est comme allé dans le gazon. Écoute, il a sauvé la catastrophe. J'ai manqué ça. C'est pas trop quand il draftait léger, puis je sais pas ce qui est arrivé, là. Sa voiture a déporté dans le gazon sur la ligne droite. C'était assez, assez particulier. Ouais. Ça me faisait penser à un gars qui enlève son chandail. J'ai manqué malheureusement. J'ai Charbonneau 17e. Charbonneau, je pense, ça va bien pour lui ce soir. Lui qui a qualifié dans le top 15 et dans le top 20, pardon. Puis juste derrière la lancette, mais un très bon pace. Bernier passé sur l'Anglois et là se retrouve un petit peu un écart avec Révé. Ouais. Il y a Magnan qui est juste derrière eux autres aussi, honnêtement. Terrio X89, merci pour le follow, man. Excuse d'avoir coupé, James. Pas de problème. Je suis étonné aussi de Magnan. Il se retrouve dans un groupe. Ben, il est toujours régulier, mais ce soir, quand même très rapide. En 18e, tout juste derrière Charbonneau. Ouais. Devant Ward. Excellent. On vient d'avoir un beau dépassement de Sébastien Roy sur le pilote Nicolas Cormier. C'était vraiment très bien fait à la 31e place. C'était de belle qualité. Jean-François Évé, toujours derrière l'Anglois, tente de trouver un passage pour aller chercher la voiture qui essaie de se sauver devant, celle de Bernier. Oh, intéressant. On a une information que Brochefoy Motorsport a signé le numéro 84 de Charbonneau pour la saison RS3. Alors, voilà. Annonce faite. Danick Van Dill qui, lui, est en 34e et à la poursuite de La Forêt devant lui. Et je pense que l'autre, c'est Duchesne. Oh, Cormier. Cormier, ouais. Sébastien Roy, c'est la tuctée. Et là, c'est side by side devant lui. Une belle bataille entre les deux. Ouais. Et les batailles sont jusqu'à l'arrière, là, 34 et 33. Ouais. Là, et regardez ça, side by side, c'est beau à voir, des pilotes qui se respectent beaucoup. Ça va très bien, et voilà La Forêt qui est sorti vainqueur de cette petite bataille-là. Il y a un beau petit groupe ici, là. Il y a 6 voitures qui suivent de très proche. Ouais. C'est beau de voir ça ici, quand on arrive dans la section très serrée, là, les voitures se regroupent encore plus. Oh, t'as-tu vu la voiture qui rentre à l'intérieur derrière? C'est qui ça? C'est Simon Bilot, je crois. Et oh, il y a eu contact! Ah, est-ce que t'as vu ça? Non, je t'ai rendu avec DG. J'allais rejoindre DG au même moment que tu l'as dit. Mais ouais, je vois Bilot. Beauregard et Bilot qui ont entré en contact. Ça a commencé par un overtake audacieux de Bilot à l'intérieur sur le vibreur dans la première courbe très serrée. Et malheureusement, Beauregard a pris l'intérieur et ils se sont accrochés. OK. Ben merci. Oh. Écoute, j'ai Pichette aussi en deuxième sur l'évêque. Là. Alors le lead, c'est pas gagné. Là. C'est loin d'être gagné ce course-là. Pichette est à point 1 de l'évêque et ne bouge pas de là. Et faut dire que Bruno Pichette est très habitué de rouler avec l'évêque parce qu'on participe à d'autres séries en Audi puis on roule ensemble en team. Alors faut surveiller ces deux-là, ça va travailler très fort. Oh, Léger, il se passe de quoi également? Léger, on est side by side et Léger qui passe sur... voilà, c'est fait! Il vient de passer sur Monsieur Bouchard, oui. J'allais dire Bouffard, mais c'est Bouchard, pardon. Juste devant Paquette. Puis, as-tu vu comment que Bouchard a dû refermer rapidement parce que Paquette il s'en allait en profiter, c'était clair. Ouais. Belle manœuvre quand même pour éviter de perdre deux positions. Et là, Cormier qui tente quelque chose sur Laferrière. François Laferrière qui vient faire son tour en Audi. Puis là, je pense que c'est Laferrière qui a fait le dépassement finalement. On revient à Paquette qui est à point 1 toujours et side by side avec Bouchard.
Et là, on va rentrer au T1 side by side. Et Paquette est à l'avantage. On va sortir avec un petit peu plus d'avance et un petit peu plus de puissance vu qu'on est à l'intérieur. Et voilà. Ah, Bouchard qui réussit à se défendre. Est-ce qu'on revient side by side? Oui, Bouchard qui est revenu côte à côte avec Paquette. Mais non, ça ne sera pas suffisant. Oui. Paquette réussit à passer. Quel beau freinage très tardif de Paquette. Ouais. Pour garder sa place. Absolument. La Verdière et la Ferrière, belle bataille aussi. La Verdière qui vient de presque passer. Hey, mon Dieu, Seigneur, petit contact avec la voiture 506 qui a tenté de protéger sa position. Cormier qui a passé proche de faire une gaffe ici, mais je pense que tout le monde s'en sort bien, heureusement. Et ça a été de justesse. 31e, Sébastien Roy sur des chaînes. C'est fou comment est-ce qu'on a de la bataille partout, James. Ça n'a même pas de bon sens. Ouais. On a René Godet. Ouais, je viens de le manquer, tu vois. Il y a un groupe il vient de qui passer se resserre énormément. On dirait qu'il y a un groupe de voitures qui a perdu du pace. On parle d'à partir de Magnan, Guillon, Lacroix, Couturier, Huard. Side by side, dernière courbe, Guillaume Magnan. Et ça sort bien pour Magnan. Magnan pourra être rapide là, sur la ligne droite si on touche pas trop au gazon. Hey, 3 wide. Ouais. Et quasiment, il va-tu avoir assez de vitesse? Ouais, c'est qui ça? C'est Couturier? Oui, Couturier qui remonte. Jules Couturier. Et là, oh, Guillaume qui a fermé la porte. Je pense que c'est un bon move de Guillaume. Une belle protection ici pour le 3 wide. Parce que sinon, hey, ça, comment c'est fou. Là, ouais. Comment que toutes les voitures se sont... Wow! Ça s'est regroupé rapidement, les voitures, là. De Guillon jusqu'à Couturier, il était très loin de Huard et James. Puis tout d'un coup, ils ont perdu énormément de pace. Je sais pas si c'est Magnan qui a commencé à avoir de la misère à tenir le groupe, mais ça s'est regroupé très rapidement. Il y a James qui est très, très proche de Huard derrière. Là. Exact. On a aussi Duchesne à la 32e. Était seulement Hey, James est à l'extérieur dans la chicane. On va aller voir. Et oui, James. Oh, petite touchette ici. Touchette avec Huard. Et Huard qui est venu douce. Par chance, il a réussi à revenir. Oui. Juste derrière Boisvert, ça? Non, c'est Prou. C'est Prou, parce que dans la même équipe, je pense. Oui. C'est le Warriors, Speed Warrior. Et là, léger side-by-side. Léger side-by-side avec Thériault. Et là, Thériault va perdre position face à Léger. Thériault qui avait qualifié 3e, si je ne me trompe pas. Il va tenter de protéger sa position, mais voilà, Léger qui vient de passer. Oh, la voiture de Thériault, l'as-tu vu sauter? Ouais, c'était incroyable. Il a vraiment frappé là, l'endroit qu'il ne faut pas toucher. Puis là, c'est tout juste derrière, c'est Paquette là, qui... Ouais. Il commence à y dire, « Hey, écoute, laisse-moi passer si tu n'as pas assez de vitesse. » Il a tellement eu une sortie pénible au T1. Exact. Ah, et puis là, il bloque un peu. Là, la défense est limite pas mal pour Thériault. Ça pourrait mal finir. Absolument. C'est dangereux quand on se déplace beaucoup dernière minute comme ça, mais ça a bien... ça fait se toucher. Là. On a perdu Patrick Charrette. Oh. On a manqué la séquence, mais on a perdu Patrick Charrette. On a ici Thériault qui se défend près... de Bachelard et Manceau et Bernier juste derrière. Oh, Bernier qui a remonté, là. L'Anglois est derrière lui. Et là, un autre pilote... Oui, Charrette est sorti, on dirait. Ouais. C'est seulement la troisième... Oh, Simon, c'est Morin qui a abandonné. Morin est rendu de 14e. Il est arrivé quelque chose avec Morin, Charrette et... Et là, Thériault passe par les puits. Thériault a quitté le tarmac pour faire un passage au puits de pénalité. Alors, il s'est passé quelque chose. Morin, Thériault et Charrette, il s'est passé quelque chose. C'est louche. Ouais, on a perdu Charrette. Mais Charrette est disparu. Oui. C'est seulement le troisième abandon ce soir. Mon vélo et Philippe Normandin n'a tout simplement pas pris le départ. Non, exact. Oh, Genet, on avait quelque chose avec Genet, mais là, je l'ai perdu. Pinchot, va sur Pinchot, il y a deux je suis avec lui. Wide. Ouais, deux two wide au bout de la ligne droite et c'est Prou qui passe. Et mon Dieu, Prou qui a défoncé un petit peu son freinage, ça aurait pu mal virer, mais a bien récupéré finalement. Excuse-moi, j'étais pas sûr si t'étais sur eux autres, j'ai tombé là-dessus, je voyais quatre voitures side by side, la RS3 c'est ça, là. Ça va être tellement dur de suivre les bagarres parce qu'il va en avoir toute la saison. Ouais. Je pense pas qu'on va avoir souvent des courses ennuyantes, honnêtement. Là. Non, ben ça va être dur de montrer tout, mais on va faire notre exact. Possible. Paquette! Paquette, ouais, exact. On Paquette, la même ouais, juste derrière Thériault. La voiture, hey Thériault, ça va pas bien, il y a quelque chose, là. Thériault est parti. Et puis là, il se défend beaucoup, mais il ne semble pas avoir le pace. Non.
c'est dangereux de se défendre à ce point-là parce qu'à un moment donné, quand tu vois que tu n'as pas le momentum, tu es aussi bien de. Moi, je pense, là, tant qu'à moi, parce qu'il semble avoir beaucoup de difficultés avec le son pace. Garde, il va se faire passer à l'extérieur. Oh, oh non! My God, non! Pocket qui a réussi à sauver les meubles! Oh, hey, quelle manœuvre incroyable parce que. Puis il a quasiment pas. Il a quasiment pas perdu de vitesse, là. C'est fou! Non. Et là, c'est ça qui arrive. C'est que Theriault se défend tellement qu'il nuit. Il nuit à son propre pace rendu là. T'sais, s'il suivrait les gars à la place de se défendre autant que ça, ben il réussirait à garder un pace. Et là, Bachelard, il dit qu'il resterait sur eux, lui. Je sais pas pourquoi. D'après moi, il a des visions, lui. Ouais. On y fait-tu confiance? Ouais, mais est-ce que j'ai d'autres choses de gros présentement? Non, j'ai rien d'énorme. Alors, on peut rester sur eux. C'est pour la 7e. Oh, Howard, avec qui, ça? Zéro? Non, non, c'est pas imminent. Des fois, les intervalles sont en retard un peu. Ouais. Et regarde, là, on est en accélération pour la dernière ligne droite. Et là, Paquette va prendre l'intérieur. Et Bouchard qui est par l'extérieur. Et là, est-ce qu'on va on va tenter un passage par l'extérieur? Et oui, Paquette va tenter de suivre par l'extérieur également. Oh, et bien appuyé dans Theriault. Pousse quasiment. Ouais. Incroyable. Là. On a vu Paquette. Pas Paquette. C'est. Voyons, c'est qui? C'est lequel qui poussait? C'est Bouchard. Ben les deux. En fait, c'est Paquette. Non, c'est Paquette qui poussait. Qui poussait Theriault. Oui. Et là, Paquette retourne derrière. Alors, grosse bataille entre Paquette et Bouchard, mais. Ils sont retenus quelque peu par. Monsieur, une petite poussée encore, hein? T'as-tu vu ça? C'est passé un petit, proche, un petit coup de Paquette, je pense. Je suis une sidecar, je pense. Les gars, je pense qu'ils sont en manque de se toucher un peu, là. Ouais. Pas certain que ça s'est touché, mais c'était proche en titre. Écoute, mais ça fait une couple de fois, il me semble, qu'on a l'impression que les voitures se touchent. On va voir ce qui se passe, mais OK, c'est Bouchard à point 1, c'est ça. Et là, par l'extérieur, il va se passer de quoi? Ouais, l'extérieur pour Bouchard et Paquette va probablement tenter d'en profiter. Paquette est bien appuyé dans Bouchard et là, on a de la vitesse, il y aurait moyen. Et Bouchard qui va devant! Il va protéger sa position. Et voilà, on fait passer! Paquette vient passer tout droit! Ouais. Il a défoncé totalement. Et là, c'était une belle manœuvre de Bouchard pour aider à Paquette, là. On s'est carrément mis devant Theriault pour l'empêcher de continuer à. Bernier qui attaque lui sur Manceau. Oh mon Dieu que c'est proche là. On est une sidecar avec Bernier, puis Manceau commence à avoir de la difficulté. Bernier que le rythme augmente tranquillement. C'est éloigné des autres derrière. On a James aussi sur Lacroix pour la 18e. Il y a beaucoup de batailles encore, c'est sûr. Écoute, ça lâche pas. Là. Mais Sly, toute une performance parce que, écoute, il est parti 14e. Ouais. Et 9e en ce moment. Dans le top 10. Et regarde, on est très menaçant. On joue beaucoup dans les miroirs à Manceau. Et regarde, on se désaxe constamment. On tente de déranger Manceau. Oh, James qui va pas s'essayer à cette place-là dans la dernière course. Oh, Paquette est large! Ça va être risqué, ça. Paquette est large. James de son côté. Non, c'était risqué là, dans la dernière courbe. Là. Ouais. Mais il y a un side-by-side, je crois. Oui, on reste à l'intérieur. On pourrait arriver à quelque chose de très bien. Oh, Jean-François Hébé également. Lui, c'est sur Proulx. Non, on va retourner derrière. Oui! Il s'est quasiment essayé, hein? Ouais. On est side-by-side quasiment pour James au T1 et on réussit. Oui, voilà, c'est fait. James est passé. James a eu une excellente sortie, il a réussi à passer. Evé, juste derrière... Morin. Morin, pas Proulx, c'était Morin, pardon. Mm-hmm. Pour la 12e place. Ouais. Evé qui est parti 16e, donc il tente... Très bonne ascension pour lui. Il doit pas aimer ça, voir Sly là, qui se pousse en avant, il doit se dire, attends un peu toi là. Oh, Morin qui est lousse, tu l'as-tu vu? Il a glissé tellement longtemps. Et V qui vient de prendre la position. Ouais, je vois un V à l'intérieur. My God, ça a failli se toucher. Hein? Mais voilà, EV est passé. Et là, c'est la lancette qui court après lui derrière. Hey, ça pardonne pas, là. Les gars suivent tellement de proches, la moindre petite erreur. Là.
Ouais. Oublie ça. Bernier juste derrière. Manceau encore. On est sur la ligne droite. Et Bernier a une excellente sortie de courbe. Et voilà, c'est fait. Bernier qui prend la position contre Manceau. Est-ce qu'on va être capable de se défendre du côté de Manceau? Je ne crois pas. On le voit passer à l'arrière par le rétroviseur. Voilà. Très beau dépassement. Et Paquette qui en profite. C'est deux positions pour Manceau. Oh, ça a fait mal ça. Oh, ouais. Ouais. Manceau qui... Ça, c'est... Puis là, quand t'as un train de voiture comme ça qui sont très proches en arrière, là, faut pas que ça te déconcentre puis que tu perdes ton momentum. Non, absolument. On a M. Plourde, 36e. C'est difficile pour Plourde. Lui qui avait un excellent rythme durant les qualifs. Malheureusement, on semble avoir eu des problèmes techniques. Il vient de dépasser sur... Danick, mais ça nous ramène ici. 34. La voiture 34 est en 34e. C'est François Demers qui tente de passer sur Laverdière. Et Laverdière. Oh, Laverdière à l'intérieur. Ih, c'était serré ça. Ouf. Léger, side by side avec. C'était qui ça? Demers. On vient de passer sur Demers. C'est Demers qui tente un croisé. Mais je pense que Léger va rester devant. Ouais, Léger qui a réussi à rester devant. Maxime Paquette, 9e, side by side avec Bernier. Oh, Bernier qui se fait passer par Paquette. Oh, c'est serré. Et là, Manceau pourrait lui faire le même coup et repasser devant. Et side by side toujours avec Paquette. Bernier est à l'intérieur, Paquette à l'extérieur. Et voilà, c'est fait. Et oh, Bernier qui ferme la porte à Manceau. Ça joue serré. Puis je vous rappelle à tout le monde qui écoute, ben tout le monde doit être au courant pas mal, mais il n'y a pas d'arrêt au puits, donc c'est vraiment une course sans relâche là. Ouais. Qui va durer 45 minutes. On aime ça quand il y a des batailles comme ça, qu'il n'y ait pas rien pour interrompre ça. Et là, je sais pas si tu vois le groupe là, à partir de. Ça part de qui? Ça part de Sly, comment que toutes les voitures sont proches? Jusqu'à James ou même plus loin que ça? Jusqu'à ouais. Olivier Lacroix, de la 9e à la 19e. Ouais. Les 10 voitures sont en dedans. Ben, il y a juste Charbonneau qui est à 1.5 secondes, mais après ça, là. Toutes les voitures se suivent de très proche. Là, il y a James là, qui semble vraiment vouloir essayer de quoi sur Guillon. Ouais, on a James sur Guillon. On a Bachelard aussi qui tente quelque chose. T'es un petit peu là. Oh, mon Howard, Dieu, ça il est en train tellement de dépasser. Rapidement. Ouais, Howard, j'étais avec lui. Ouais. On est outside. Et on vient de passer. C'est réussi. Fait que là, on va courir après la lancette. Ah, mais regarde ça là. Oh, wow! Regarde ça avec James puis Guillon, là, il y a un gros side-by-side. Je l'ai. James Guillon, side-by-side. On s'en va vers le T3. Ouh. T2. Ça n'a pas l'air de vouloir lâcher, là, ils sont vraiment égales. Et je sens que James est retenu un petit peu par la voiture qui est devant, c'est celle de Charbonneau. Ouais. Non, mais c'était propre les deux gars, comment qu'ils étaient side-by-side. Ça lâche pas. Guillon qui est à l'avantage à cette courbe, par contre, oh mon Dieu, James qui réussit à sortir très fort là, par l'extérieur. On va se trouver à l'avantage pour la prochaine courbe et je pense que Guillon va devoir s'avouer vaincu, ouais. Voilà, on va se ranger derrière James. Alors James qui a gagné cette bataille là. Longue séquence quand même, plusieurs courbes. Long c'est très très propre entre les deux voitures. Son coéquipier Magnan qui fait la même chose derrière un peu plus loin, au départ de Proulx, et lui c'est terminé. On vient déjà de passer devant. Il a frappé le vibreur violemment. Puis il est en train de rejoindre son coéquipier Arnaud Genet. Ouais. Langlois, 11e, juste derrière Manceau. Et là, Bernier et Paquette qui essaient de se sauver. Mais, Manceau qui pourrait voler à l'intérieur ici. Et non. Et, Évé qui est pas loin non plus. Oui. Oh, Évé qui tente mauvaise quelque chose peut-être. Pour Langlois. Il a frappé le vibreur à la mauvaise place. Puis ça a déstabilisé la voiture. Mais là, EV est pas en avantage, mais ça dépend de son freinage. Ouais, EV qui... Oh, il reste là! Ouais, par l'extérieur, va se retourner derrière, malheureusement. On va tenter d'aller chercher cette position, c'est certain. Et là, Manceau, qui regarde, s'est éloigné de Langlois devant. On rejoint Bernier Paquette. C'est qui vient de l'échapper et frapper le mur? C'est Morin! J'ai pas pu voir, j'étais un inside car à EV, mais il y avait de la grosse pression mise sur Langlois ici. J.R. Morin qui l'a échappé en clippant le gazon derrière EV. Et il a frappé violemment les pneus, écoute, ça me surprendrait qu'il soit pas obligé de piter, là. Il a frappé solidement là,
Le mur. Bon, on vient de perdre un compétiteur. Position gratuite pour la lancette. Ouais, il a remorqué J.R. Morin, donc d'après moi, la voiture était scrap. Ouais. Hey, là, EV, c'est vraiment intense sur l'angle, là. Je pense que ça va y être là, là. Bernie, lui, c'est sur Paquette. EV, ouais, EV, une bonne sortie. Point 1 présentement. On est incapable. Oh, Bernier tente quelque chose également sur Paquette. Et non, Paquette qui ferme la porte. Bernier qui n'a pas été capable de passer. Oh, et là, Manso est rendu très... Et Vé, il a pogné le gazon. Il est allé dans le sable. Je le vois pas. Il fallait que tu restes sur lui. Il y a des batailles partout, c'est pas évident. Il a dépassé Demers, au T1. Demers 32e sur Dell. Non, je pense qu'on sera pas capable, malheureusement. Ah, je comprends. C'est parce qu'il t'avait dit que si tu voulais garder la commandite, qu'il fallait pas que tu le filmes quand il défonçait au T1. Ah non, il a-tu défoncé? J'y ai pas pensé, c'est de ma faute. Tabarnouche. C'est incroyable. Ouais. Incroyable. Oh, voiture sur le côté, c'est qui ça? Ouais. Alors là, Paquette et Bernier tentent toujours de s'éloigner. Bernier a laissé passer Paquette pour profiter de l'aspiration. Il sentait que Paquette était plus rapide. Mais là, on dirait que... Oh, side by side, les deux, le leader puis Pichette, là, au T1. Et est-ce que Pichette va reprendre avantage? Et non, on reste derrière. Et là là. Oui, monsieur. Extrêmement serré. James, il y a quelque chose. Est-ce qu'on est passé? Oui, James est passé par l'extérieur. Là, je dis ça de même, mais j'ai l'impression que James, il y a un objectif. C'est seulement de rejoindre EV. Il est rendu 15e. Parce que la semaine passée, ça a fini sur le drapeau à damier, un dixième à peu près. Ouais, puis là, on est 15e pour James, 13e EV, la lancette 12, d'Anglois 11, Manso 10, Bernier 9, Paquette 8, Thériault 7. Ensuite, on a Bachelard 6, Bouchard 5, Demers 4, Léger 3e, Pichette 2e et Lévesque premier présentement. On est au 20e tour et on en a 36 à faire, si je ne me trompe pas. Oh, side by side, Monsieur Pichette et Guillaume Lévesque qui oui, se fight d'après le lead de la race, pardon. Et par l'extérieur, Pichette qui réussit à garder un très bon... Oh mon Dieu, ça a passé proche! Ouais. Eux qui s'étaient accrochés à Interlagos et que ça avait mal fini. Et voilà, Pichette vient de prendre le lead! Paquette Bernier au T1. Bernier qui réussit à prendre avantage sur Paquette. Et voilà, on reprend la position. Magnan qui est à la 24e, side by side avec Arnaud, je crois. Non, c'était pas Arnaud, ça. C'était... Ouais? Oui, c'était ouais. Arnaud, c'était ouais, Arnaud, ouais. C'était Arnaud. Ils se sont pas battus trop, je pense qu'ils non, veulent Arnaud pas sortir. A carrément levé le pied. Danick Vandel qui, lui, est en 33e et rejoint la piste devant lui, qui est René Godet. Oh, Godet qui a défoncé un petit peu le T1. Danick qui va avoir de la vitesse. Est-ce qu'on va être capable d'aller aux côtés de Godet? Non, Godet qui ferme la porte. Alors la voiture Doritos qui réussit à résister. Je crois qu'il va... James qui se rapproche de maintenant Howard et EV. Encore plus près. Oh boy, que les gars vont large en arrière. Ouais, c'est, je pense que c'est Charbonneau qui est sorti très large. Là. Ouais. On n'avait pas assez de vitesse cette fois-ci pour essayer de quoi sur Howard. Howard qui draft EV, donc il faut une bonne sortie pour être capable d'aller le passer. Oh, Master qui a eu des difficultés, qui nous dit en NASCAR. Mais écoute, Master, on peut t'aider peut-être avec un setup, mais c'est sûr que cette voiture-là sur le routier, c'est extrêmement difficile. Là. Vendredi, on va être à Watkins Glen en road avec les voitures NASCAR Monster. Alors, attachez votre sucre, c'est quelque chose. Donald Thériault et Lacroix? Oui, Olivier Lacroix. C'est Lacroix sur Charbonneau. Oui. Mais Thériault qui se pointe aussi en arrière, là. Comment ça? Ah,
Non. Ah oui, Donald Thériault, excuse. Ouais. Ouais, Thériault qui est en remontée lui ici. Qui a fait son passage au puits réglementaire. Oh, François de... Oh mon Dieu, François Demers vient de frapper. C'est qui ça? C'est la voiture Castrol. C'est Deschaine. Alors, un bon contact avec Deschaine. On a très peu d'abandon quand même. On a seulement 5 voitures qui sont sorties. Ouais. On a Morin qui tente de réparer, mais ça semble pas évident. Et là, James est side-by-side avec Howard, mais à l'extérieur, je pense pas qu'il... Je pense pas qu'il ait l'avantage assez cette fois-ci pour tenter quelque chose. Je pense que ça va être difficile. Va se ranger derrière Howard. Mais ils sont proches, vraiment, là. Howard qui est... James et Howard, quand ils se retrouvent, habituellement, ça donne des belles séquences. Les pilotes qui se connaissent bien. Oui. Oh, Demers side-by-side à zéro, lui carrément avec M. Deschaine. Et est-ce que Demers va réussir à venir jusqu'au bout? Oui. Alors, Demers vient de prendre la 29e. Deschaine va se retrouver derrière. Donald. C'est assez fou comment il y a des batailles partout. Ouais. Oh, Pelay. Bernier qui s'attaque à Thériault. Simon Thériault, ouais. Grosse bataille. Et là, on va prendre l'intérieur probablement. Et non, Thériault qui prend la ligne intérieure. En fait, il est en plein milieu de la piste. Bernier qui est carrément à côté dans son bumper. Cherche à passer. Oh, Thériault qui prend la ligne intérieure encore une fois pour protéger. Scorpion, merci pour le follow, man. Merci beaucoup. Sly, side by side avec Thériault. Et on rentre dans le T1 par l'extérieur. Oui. Et on voit que Sly a gazé, justement. Il a eu une meilleure sortie à l'extérieur. Ouais. Excellente sortie. Il y a eu un léger contact, même, j'ai eu l'impression. Puis Sly a vraiment a su résister. On a vraiment réussi à passer sur Thériault. Je pense que Thériault est vraiment un gros déficit avec sa voiture. Il y a quelque chose qui se passe avec la voiture qui ne va pas bien du tout. Il est constamment obligé de protéger. Ouais, c'est pas bon. Là. C'est pas de la bonne conduite dans ce temps-là. Ça donne rien de bon. Et là, Paquette qui s'amène à son tour. Ça va peut-être donner une chance. Regarde la distance, comment que ça se fait rapidement. Regarde Bernier se sauver devant. Ça, c'est fou là, la différence. Là. Grosse différence de pace. Ouais, c'est pas fou ce qu'il dit Buster, parce que à se défendre comme il se défend tout le temps, il est beaucoup plus agressif sur ses pneus. Ouais. Et probablement aussi, il y a beaucoup de gars qui ont roulé beaucoup trop de camber. Donc après 35 minutes comme là, c'est des gars qui se défendent beaucoup et qui roulent beaucoup de camber. Là. Ça prend pas de temps que les pneus sont trop hauts en température. Ça doit être pour ça qu'il y a beaucoup de difficultés dans les courbes. Là, au T1, ouais. Toutes les sections serrées, c'est très difficile pour... Ouais. Paquette qui fait le même coup par l'extérieur. Et oh, on se touche! Et là, il y a eu un bon contact entre les deux, mais Paquette qui réussit quand même à passer. Voilà, c'est fait pour Paquette. Alors, les deux voitures sont passées. Là, c'est Manceau qui... Ça doit être autour de Manceau, exactement. Ouais, ouais, ouais. Et Langlois, qui est juste derrière. Ouais. Et là, on a belle bataille, 335 Sébastien Roy, qui vient de prendre l'intérieur sur la forêt, et on se touche un petit peu au T1, et malheureusement, la forêt qui va sortir, et Roy qui va le laisser repasser, un beau signe ici de respect, et Gentleman Driving Rule. Alors, René Godet, lui, qui perd une position face à Dale. Ouais. Je viens de constater ce que... Master dit, là, c'est fou, là, quand on regarde Thériault, c'est sûr qu'il, d'après moi, là, il va se faire peut-être passer par les deux sur la ligne droite. Dans les courbes, là, il déporte énormément, comme il dit, là, je l'ai vu dans la section sinueuse, là. Les deux gars, ils ont failli le frapper tellement qu'ils étaient pas vite à l'entrée des... Tu sais, à se mettre à l'intérieur comme ça, le pire, c'est qu'avec les pneus finis comme il a... Il exige encore plus à sa voiture au T1. C'est encore plus difficile pour lui. Ouais. Puis regarde, la voiture va le passer à l'extérieur. Oui. Alors, dans le fond, ça sert plus vraiment à rien de protéger. Même par l'extérieur, les gars sont capables de passer. Ah, moi, quand je vois Mania... quelqu'un faire ça, j'y vais à l'extérieur tout de suite. Oh! Mania qui me lousse un peu a manqué son entrée, mais il ressort très rapidement, par contre, là. Contre Pinchot.
Ormagnac qui est à l'attaque, tente d'aller chercher le top 20 probablement, c'est tout près là. Ouh! On est à quel tour là? 26e, ok, on est correct. Ouais. Et on a dit 35? 35 si je me trompe pas. Je pense que c'est 36. 36, ouais. 36 tours. Là, ça fait un bout de temps que ça bouge pas en tour Ward et V. Je regarde ça du coin de l'œil pour voir quand est-ce que... si ça va brasser. Howard EV, Langlois. Il y a une belle sortie pour James, je crois. Et hey, puis là, t'as-tu vu les gars devant? Comment ça. Justement, les batailles à essayer de passer Thériault. T'as-tu vu comment ça leur rapprochait les gars? Ouais. EV, puis Howard et James de ce groupe-là? Ouais. Ils semblaient tout seuls tantôt. Ouais. Oh, Langlois. Et là, James, il passe Howard, je crois. Et oui, oh! C'est fait. C'est fait pour James, au T1. Ben, ça a été difficile au freinage pour Howard. On a vu qu'il a travaillé énormément venu, pour. Ouais, et comme venu lousse, hein, il a sorti vers l'extérieur assez. Il regarde EV comment qu'il. Il tente de passer l'Anglois. Il a eu une proie à sa portée, puis tout de suite, il s'est accroché à lui. Ouais. Pour moi, ça va être une belle bagarre à suivre, ça, d'un dernier tour. Ah, James est tellement venu proche d'eux autres, puis EV, il a failli rentrer dans l'Anglois. Ouais. TV qui se tient très près de l'Anglois là. En fait, cette piste là, c'est pas facile de dépasser, on va se le dire là. Les dépassements sont à deux endroits quasiment. Je vais dire comme Bachelard tantôt, j'ai un pressentiment que tu devrais rester sur eux autres. Ouais. J'ai comme un feeling. À quatre têtes comme ça, là, ben, c'est... Surtout avec Thériault, qu'on sait qu'il y a de la misère avec son pace, là, c'est sûr qu'il va se passer de quoi au bout de la ligne droite. J'ai l'impression, là. Et là, Evé va prendre l'intérieur sur l'Anglois. Voilà, Evé qui prend quelque chose, qui va tenter de prendre une position ici sur l'Anglois, et je pense que c'est déjà réussi. Oui, et là, on se retrouve derrière Thériault. Et oh mon Dieu, contact! L'Anglois qui a fermé sur Evé, là! Oui. Oh, petit contact encore, Evé, qui est allé montrer... Tu veux refermer sur moi, je suis capable d'aller large moi aussi. Avec ces voitures-là, on peut quand même s'en permettre un petit peu. À part quand il y a des bugs comme à Brésil, malheureusement, les voitures qui collent ensemble, mais ça, on n'a pas... Et là, James, qui se retrouve-tu side-by-side avec l'Anglois? Ouais. Eh oui, toi! Oh, avec l'Anglois, dans une section extrêmement dangereuse! Oh my God! On reste à l'intérieur, on réussit à garder l'intérieur, Et là, Evé travaille fort, lui, devant avec Thériault. James va en profiter. Non! James qui ne sera pas capable d'en profiter, finalement. L'Anglois qui a réussi à reprendre sa position. On s'entend que tout ça, c'est pour la 10e place. Les gars, ils se battent comme si c'était pour la victoire. Là. Duchesne et Laverdière qui se battent aussi à la 29e. Là. Et... Il était un beau 65. Rate pas ça parce que ça lâche pas. Evé est allé taper, je pense, un petit peu Thériault au freinage, tellement que Thériault a de la misère avec ses pneus. Je regarde le train, là. Encore une fois, Thériault prend la ligne intérieure, là. Ouais. Oh, encore un side-by-side entre l'Anglois puis Evé. Ouais, et là, Evé qui est à l'extérieur sur l'Anglois. Et votre tu trouves à l'intérieur de cette courbe et je pense qu'on va être assez rapide. Voilà, on va être assez rapide pour reprendre le lead. Et James qui est rendu de se faire prendre en sandwich ici, ça aurait pu mal virer ça. Probablement, Thériault 89, probablement ton problème, ça a été un vibreur. Tu as peut-être frappé un vibreur très fort et t'as endommagé ta suspension ou ton arbre. Oui, c'est ça, parce que le camber, tu peux vraiment le dérégler quand tu frappes des vibreurs trop solides. Ça se peut que ce soit retrouvé avec un camber vraiment tout fucké sur une roue, puis là, ben, après un bout de temps, parce que ça a l'air vraiment difficile, là, les courbes. Là. Il était genre 5e, je pense, 6e à un moment donné. Ben, il était vraiment. Je pense qu'il est qualifié 3, si je ne me trompe pas. Il faudrait aller voir. Il est parti 4e. 4e, c'est ça. C'est la deuxième ligne. Là, Evé qui est à l'extérieur, puis James qui est side-by-side avec l'Anglois. C'est intéressant. Alors, on a deux side-by-side, un à côté de l'autre. Ben, un derrière l'autre, pardon. Et Evé qui va retourner derrière. Oh mon Dieu, un croisé. Evé qui a utilisé une technique pour passer devant. Et là, quel beau travail de Jean-François Evé. Les mêmes choses pour James. Alors, tous deux ont gagné une position. Alors, James qui s'est réussi à se rapprocher de EV. EV qui a réussi à se sauver.
On aura beau dire ce qu'on veut quand même, avec la voiture qu'il a, Thériault, il se défend vraiment bien parce que les gars sont... C'est un méchant pace que les quatre ont en ce moment. Oh my god, encore une fois, très près. Ça a l'air difficile ici, c'est fou pour ouais. Thériault. Là. Toutes les turns serrées, c'est très difficile. Ouais, devant, excuse-moi, mais on a Alexis Demers en quatrième sur Martin Léger. Une grosse bataille entre ces deux-là. Demers qui est juste derrière. On est au 31e tour. Alors, il reste juste 5 tours à faire. Et Demers qui va tenter l'extérieur. Léger qui roule au centre d'attraque. Commence à être un petit peu plus défensif. Tente de protéger sa position un petit peu. Là, ça va être James sur Thériault. Oui, on est à point. On va voir, il se défend encore. On va voir ce qui va se passer. James en va tout de suite par à l'extérieur. Est-ce qu'on va avoir assez de vitesse? À mon avis... On va tenter l'extérieur comme plusieurs pilotes ont fait tantôt. Ouais, voilà, on tente l'extérieur pour James. On sent que la voiture colle assez pour attaquer. Et ouais, ça va être fait assez facilement en plus. Là, James qui a vraiment passé easy going là-dessus. Et là, prochaine cible est EV. Là. On est rendu. Ils sont seuls. Je pense qu'il n'y aura pas d'autres. Il n'y a pas d'autres pilotes qui sont très proches devant, donc je pense que ça va être la bataille pour les quelques minutes qui restent. Là. Il reste seulement environ, peut-être, dans le fond, on a combien de tours de fait? On a 31 fait. 31, il reste 5 tours ouais. au complet à faire. Là, Lévesque et Pichette, ben, ça reste la même affaire depuis le début, 2e environ. Side by side. À chaque tour, je pense qu'ils se font un petit side by side. Puis, EV qui prend pour EV, c'est pas surprenant. Go et go EV. Je vais dire go EV moi aussi. Go EV. Je l'encourage. Pichette, deuxième, toujours à point 3. Oh, Bachelard. Bachelard sur Bouchard, ça a l'air très serré. Non, pas tant que ça. Est-ce qu'on a ça? J'ai pas ça. Non, je vois pas. Je voyais 189 millièmes, mais ça, les intervalles, tu sais, c'est. Ouais. Ça bouge tellement vite. Demers, toujours à point 3, lui de léger. Alors, les batailles de devant, il y en a encore beaucoup, même dans le top 10. Là, on a quelques pilotes qui, eux, se battent pour la troisième place. Et Pichette et Lévesque, eux, se battent pour la première. Ouais. Alors, les quatre pilotes pour le podium. Alors, ça rentre pas. C'est sûr qu'il va y avoir de la chicane. James est très proche de EV pour la ligne droite. Ouais. Non, excuse-moi, on arrive dans la section sinueuse, je suis en retard. Dans les S. Et là, oh! James prend l'intérieur et EV va réussir à se défendre. Je crois qu'EV commence à souffrir des pneus aussi. On dirait que lui aussi, son devant, là, il a eu de la misère à avoir du grip dans la courbe très serrée. Il attaque les vibreurs sévèrement, EV, en ce moment. On a vu ça. La voiture a sauté assez haut. Je crois que tu as un conflit d'intérêts. On a l'Anglois sur Thériault derrière aussi. L'Anglois qui travaille fort. Hey, les deux gars sont allés dans le gazon, EV et James. Très, très large, les quatre roues dans le gazon. Écoute, EV qui se défend. Oui, absolument. Écoute, fin de course, 36e tour présentement. Non, pas 36e, 33e tour. Oh, il y a eu un contact. Hey, James est allé tellement proche du sable. Comment ça, je... Quoi? Ah non, 33e tour, ok, j'ai rien dit. Oui, c'est ça. Hey, il y a eu un léger contact au T1. Je sais pas si tu l'as vu, c'était à ton angle de vue, là. Je sais pas, j'ai eu un petit bug informatique. T'as eu un lag cérébral. Ouais. Oh, James qui tente l'intérieur et là, EV, je pense qu'on pourrait. Est-ce qu'on va être capable par exemple, on est vraiment pas en avantage. Ouf, cette partie-là est difficile. Oui, par l'extérieur, elle est vraiment pas facile. Et voilà, Jean-François EV qui réussit à reprendre sa position encore une fois. Et là, on doit commencer à avoir hâte que ça finisse parce que James s'en vient très menaçant. Pourrait pousser EV à faire une erreur. Oh, Pichette, point 1. Point 1 pour le lead. Side by side quasiment avec Lévesque et on tente de croiser. Lévesque qui résiste. On retourne derrière et on continue vraiment. Ça a passé tout près. Un autre side by side. Oh, EV qui se défend, mais je pense que ça va être un autre side by side. À l'extérieur encore une fois. Encore une fois au T1 par l'extérieur. Et oh, EV qui a freiné. La voiture est venue là. C'est là, je pense qu'on a perdu un petit peu de momentum là. Ouf. Voilà que James est passé! EV perd une position!
Et James est top 10. Thériault, lui, sur Howard. Howard vient de passer sur Thériault. Ouais, c'est Thériault. Puis là, c'est Langlois. Après ça, il devrait avoir la piste jusqu'à la fin de la course, mais on espère. Il doit espérer que ça finisse lui aussi. Conspiration. Évidemment. Bon, mais EV qui c'était pas si évident, honnêtement, là. Je pensais vraiment que ça finirait comme à Brésil. Mais j'avais un bon momentum à la fin de course, honnêtement. Bon. Pichette. Mes commentaires de conflit d'intérêt, là. 35e. 35e tour. Pichette, juste derrière l'évêque, toujours. Seulement 0.3. Alors, bataille à régler d'ici le dernier tour. Il ne reste plus qu'un tour et demi, dans le fond. On joue dans les 0.2. Et là, vraiment, là, c'est très, très, très serré. Oh, petit contact! Pichette qui cogne à la porte! Toc, toc, toc. Qui est là? C'est Pichou. Bon, Bachelard, sixième. Lui également se rapproche de Bouchard. Et peut-être va tenter quelque chose sur le prochain tour. On arrive au dernier tour pour lui aussi. Solide performance de Bachelard aussi. Écoute, de 15e à 6e, là, c'est une méchante belle performance. Ouais. Et là, on me dit que Bernier serait en panne d'essence. Ouh. Bernier est en train de manquer de gaz. Alors, on va peut-être le voir relâcher l'accélérateur un petit peu. Seulement à 7 secondes de Bachelard, mais quand même à 7 secondes de Bachelard, c'est quand même assez loin en fait. Après tous ses efforts, finir la course en panne d'essence, ça serait merveilleux. Ouais. Là, il y a du monde qui pense que c'est arrangé avec le gars des vues, notre affaire. Bachelard. Ben non, pas arrangé. Ben non. On n'est pas au courant de ce qui va se passer. Là, Langlois, je crois qu'il est tanné. Il va essayer de passer maintenant sur Thériault. Ça fait quelques tours. Ah, mais il n'y a pas eu une bonne sortie. Je pense que ça ne sera pas possible. Il a peut-être décidé de finir ça de même. Aussi. Possible. On arrive dans S avec, nos leads. Et ben voilà, on va rester avec eux. On va rester avec Pichette et Demers pour la fin de course. Et dernier tour. Alors après ça, on va les accueillir à la ligne d'arrivée. Tu vas les accueillir? Pardon. Moi, je descends pas là. Pourquoi? Ben là, vas-y. C'est à ton tour. T'es pas serviable, je savais de te changer, toi. Ah. L'évêque qui s'amène dans la dernière courbe. Pichette également. Et non, trop loin pour Pichette. C'est sûr que ça ne fonctionnera pas. Il est à 500. Alors, victoire de Guillaume Lévesque, suivi de Bruno Pichette en deuxième. Martin Léger, troisième place. Juste devant Alexis Demers en quatrième. Bouchard en cinquième. Qui lui n'est pas en... oui, en bataille, Bachelard. Et là, c'est close racing jusqu'à la ligne d'arrivée. Bachelard 6, finalement. À 47 millième. Ouais. Bernier, lui... oh boy, dernier tour, 1.16. Celui-ci à 1.17. Alors, Bernier qui commence à être lent. Oh! On réussit à se rendre à la fin. Aïe, aïe! Ouais. Manso qui se faisait... Il est lui aussi, là. James a fait seulement 142 millième. Là, je suis pogné dans des inside cars. Ça serait fun. Bon, voilà. Alors, là, dans 7.15, on a quoi? On a Charbonneau en 17e. On a Couturier en 18e. 19e, Pinchot. 20e, Magnan. 21e, Laferrière. 22e, Genet. On a Laforêt en side-by-side avec Demers. Et, ça donne 23-24. 25, Boisvert. 26, Huard. 27, Guillon. 28, Laverdière, qui va entrer au puits directement. Bon, alors voilà, ça mène... C'est la finale. C'est peu croyable. Ouais. Et là, on a l'évêque qui vient faire des donuts de reculons, probablement. Ou vient stationner les voitures. Wow! Ouais, merci Jean-Claude. Ouais, c'était vraiment cool. Master Turtle, on met les points à jour. Je fais des tableaux Excel que j'affiche sur le mur. J'ai fait des erreurs dans celui de cette semaine. Il va être corrigé, bien sûr. Mais il parle du site Slice Sim Racing, mais parce qu'il n'est pas mis à jour. Sur le site slicesimracing.com, présentement, non.
C'est Pat Paquette qui s'en occupe. Puis Pat Paquette est en voyage présentement avec son Bigfoot. Il fait le tour des États-Unis puis il fait Ouais. plein de compétitions de Bigfoot. Alors le site va être un petit peu sur pause pendant quelques semaines. J'ai malheureusement pas le temps de m'en occuper. Mais à son retour, ça va tout être remis à jour. Alors voilà pour le SliceMracing.com. Pour les tableaux, ben checker le mur, je vais les passer assez souvent là, pour celui du V8 Supercar. Je pourrais même le faire pour le V8 aussi. Là. Je vais vous faire les deux, mais on va les mettre sur le mur à chaque semaine. Fait que D'accord. c'est pas mal ça. Écoute, on va donner le résultat de le résultat final. Guillaume Lévesque qui l'emporte devant Bruno Pichette à seulement 3e. Martin Léger arrive sur le podium par la suite, 7 secondes derrière, en 3e devant Demers. Ensuite, on a Philippe Bouchard, Patrick Bachelard, Sly Bernier, Maxime Paquette, Jonathan Manceau, James David, Jean-François Hévé, Brian Howard, Simon Thériault, Jean-Claude Langlois, Pat Lalancette, 15e. Merci, James. Pardon? Ah, excuse, parce que je vois un gars qui chatte. Lafcam83, il a dit good Ouais. job. Fait que, Ben oui. je disais merci. Mmh. Olivier Merci. Lacroix, Denis Charbonneau, Jules Couturier, Bruno-Pierre Pinchot, Philippe Magnan, François Laferrière, Arnaud Genet, Maxime Laforêt. Ensuite, on a François Demers, Jonathan Boisvert, Jonathan Huard, Alex Guillon, Gabriel Laverdière, Jean-Louis Deschênes, Roger Beauregard, 30e. René Godet, ensuite Sébastien Roy, Kevin Proulx, Danick Vandel. Danick, si je dis pas bien ton nom, tu me diras en vocal sur mon. Voyons, sur mon Messenger. Fait que Faut je que vais tu t'annoncer mieux. enregistres ta voix quand tu dis ton nom, tu poses ça sur la page Slicim public pour que C'est tout le ça. monde l'entende. Danick Je pense que Vandel. c'est Vandel, je pense que c'est ça. Patrick Rousseau, Patrice Deltel, Donald Thériault, Nicolas Cormier, Jean-Raphaël Morin, Michel Plourde, Patrick Charette, Simon Bilot et Philippe Normandin. Alors, c'est pas mal ça. Je pense pour celle-ci. Cette semaine, on va se retrouver sur le circuit de c'est quoi cette semaine déjà? Ah oui, c'est Barber. Alors, Barber, ça ouais. va être vraiment. Encore une fois, j'adore cette piste-là à chaque fois. Honnêtement, Barber, c'est un super circuit. Ouais. Assez court aussi. Donc, on devrait avoir un bon field. Encore une fois, ça va être intéressant. Ouais. Puis, moi, je te laisse en disant que Phil Bouchard est, sauf erreur, là, celui qui tient la tête du championnat en ce moment, Ah ben c'est bon ça. avec 264 points. Bruno Pichette en deuxième à 241, donc 23 points derrière. Brian Howard en troisième, 33 points derrière Pichette. Bachelard à égalité avec Howard. Donc on s'entend que Bachelard et Howard, ils sont comme en 3, 4e les deux, là. Ouais. Puis Jeff Hevey, connu sous le nom de. Non, je niaise, là. Je dirais pas. 205 points. Écoute, c'est très, très serré quand tu pars de la troisième, là. Puis James David à 204 points pour la sixième, un point derrière Hevey. Belle bagarre. Ouais. Belle bagarre, ça Ça va finir dans promet. la cour d'école. Non, non, ça va, ça promet. Je pense qu'on va vraiment avoir une belle saison. Puis, ben c'est ça. Écoute, pour le reste, je suis en avant de Sly Auchem. Ben oui, absolument. Écoute, Sly Auchem sera probablement pas capable de te suivre, GF. Et, ben c'est ça. Écoute, ben merci la gang d'avoir été là. Demain soir, je vais être live à bord de ma voiture sur la piste de Barber pour la course numéro 3. Alors, ceux qui veulent venir me jaser, me suivre, vous êtes les bienvenus. Puis, sinon, ben, on se redonne rendez-vous aussi jeudi soir pour une autre course à bord de ma voiture. Cette fois, c'est sur la piste le V8 Supercar. Je me rappelle pas, c'est où? V8 Oh. Supercars cette semaine, attends un petit peu, je vais te dire ça tout de suite. V8 Supercars, on s'en allait pas à Road Atlanta. Ah oui, c'est ça, Road Atlanta. Alors, Oui, c'est un ça va circuit être bon. magnifique, ça va être vraiment le fun. Alors, voilà, ceux qui sont intéressés à venir me voir courser, ben vous viendrez. Puis les autres, ben je vous donne rendez-vous vendredi soir pour le live. Ah non, cette semaine, désolé, il n'y a pas de live vendredi soir, ça va être enregistré, ça va être rediffusé. C'est une piste de routier. Elle sera pas faite live, je ne peux pas cette semaine. Alors, on va vous rediffuser ça au courant du week-end probablement. Alors, mardi, jeudi.
L'air va travailler ma voiture, puis on se voit pour le reste ensuite. Alors, merci beaucoup tout le monde d'avoir été là. On se laisse sur le petit montage Bruno Pichette, puis ensuite, je vais raider un ami Twitcher pour y amener du monde. Fait que, amusez-vous. Merci d'avoir été là. À la prochaine. Ciao!